Ça charge. Ok, salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, ça faisait super longtemps que je vous avais pas vu, vraiment. Attendez, je suis désolé, juste je vous préviens que j'ai complètement merdé sur le focus. Donc je suis désolé, vous inquiétez pas, ça va vite partir, voilà, bonne vidéo, bisous. Pas du tout, on s'est vu hier, on va se revoir demain, après-demain. Oui, comme vous savez, en ce moment, une vidéo par jour. Si vous n'êtes toujours pas au courant, allez voir la vidéo où je vous explique tout, tout simplement. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous dire que je fais gagner des bracelets Workbody sur mon compte Instagram. Donc après cette vidéo, tu pourras aller directement sur mon compte Instagram antox-1998 et je fais gagner 10 bracelets Workbody. Il y en a des noirs et des rouges. Noir, rouge, noir, bref. Il y a toutes les couleurs, ok? Enfin, non, en fait, tu es un menteur, il n'y en a que deux. Donc voilà, n'hésite pas à participer au concours. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner à mon compte Instagram, liker cette photo et commenter deux de tes potes. Et tu participes pour gagner un bracelet. Ok, alors aujourd'hui dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Alors voilà, comme vous savez, je suis souvent sur TikTok. D'ailleurs, si tu ne me suis toujours pas sur TikTok, c'est l'occasion pour venir me suivre. Je vois souvent des life hacks, ok? Life hack, c'est quoi? C'est un peu les trucs pour vous simplifier la vie. Mais la plupart du temps, c'est plus vous faire perdre du temps que vous simplifier la vie. Et aujourd'hui, moi, je vais vous faire gagner du temps pour voir si ça marche ou pas. Donc, est-ce que ça va vous faire gagner du temps? Je sais pas. Est-ce que ça va être drôle? Je pense parce qu'il y aura plein d'échecs ou peut-être que tout va réussir, on sait pas, on verra bien dans cette vidéo. Avant de commencer la vidéo, s'il vous plaît, je vois beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés à ma chaîne YouTube. Donc s'il vous plaît, pour me soutenir, abonne-toi à ma chaîne YouTube, lâche un petit like et commente ce que t'as pensé de moi, commente ce que t'as pensé de la vidéo tout simplement, ok? Voilà, merci. Vous avez vu, j'ai mis mon micro dans Monsieur Patate, j'ai mis une heure à faire ça. Donc s'il vous plaît, remarquez-le, mettez dans les commentaires. Ok, bon bah écoutez, tout est prêt, chez vous, chez moi, place au life hack TikTok. Life hack TikTok. On va essayer, mais à mon avis, vous me connaissez, ça ne va pas marcher. On va essayer avant de parler, on va essayer, ok, c'est parti. Allez. Alors juste, ne buvez pas d'alcool, c'est tout ce que j'ai à dire. En plus moi j'aime pas la bière personnellement, dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien la bière, moi je déteste ça. Prends un petit truc comme ça parce que voilà, j'ai pas envie d'en foutre partout sur mon bureau. Moi personnellement, je n'y crois absolument pas. Vous dites-moi ce que vous en pensez. Attention, dites-moi ceux aussi dans les commentaires qui arrivent à faire ça avec leurs dents. Comment vous faites? Mais vous avez pas peur de vous casser une dent? Moi je me casserai jamais une dent pour une bière perso. Après chacun son délire, c'est dans la vie, il y en a qui font des choses bizarrement, voilà, je dirais rien. Donc j'ai vu dans le TikTok qu'il faut quand même que la bouteille soit presque toute remplie, ok? Donc on va en rajouter un peu avec un peu de noco. Bon bien sûr je ne boirai pas ça, désolé pour le gâchis, mais bon, franchement gâcher de la bière pour moi, c'est pas grave. Il y a tous les barjots de la bière qui vont m'insulter dans les commentaires. C'est pas grave, ça fera plus de référencement. Allez-y, commentez ceux qui aiment bien la bière. Ah le youtubeur en carton. Ok, on prend le petit essuie-tout, on le met dessus. Ok, je ne rachète. Je crois que j'en ai pas mis assez. Je vais en mettre encore un peu plus, comme ça je suis sûr que ça va marcher. Oh merde, je suis con. Oui. Voilà. Tout le temps j'ai fait de la merde. Bon, on va attendre que la mousse redescende. On le pose dessus. J'ai franchement énormément peur. Et là normalement, hop, si on continue. Voilà, comme ça. Voilà. Et là ça fait un petit truc, ok? Ok, c'est parti, moment de vérité. Oh là là là, je stresse parce que j'ai pas envie d'en foutre partout. Est-ce que vous pensez que ça marche? Est-ce que vous me pensez que ça marche pas? En tout cas, je vois le petit truc est hyper bien fermé. Genre vraiment, je suis choqué là. Je le sens absolument pas. C'est énervé. Bon, ok, on va réessayer. Mais pour l'instant, franchement, ça a bien marché, ok? J'ai les doigts qui puent la bière, c'est horrible, on dirait que je rentre de soirée. On va réessayer, ok? Franchement, pour l'instant, ça marche carrément. Qu'on se mette au clair, est-ce que c'est utile? Absolument pas. Ou si, peut-être que quand tu veux le mettre dans ton frigo, ça peut être utile. Après, gare à toi si t'auras des petits bouts d'essuie-tout dans ta bière, c'est à toi, c'est ton problème, ok? C'est pas le nôtre. Ok, on l'aplatit bien, vous voyez. Franchement, là ça a l'air un peu mieux que tout à l'heure, on verra. Allez, c'est parti. Life hack. D'après, c'est parti, c'est bon. Après, go. Puce à... Life hack suivant. Waouh. Là, pour vous, là, il s'est passé peut-être 2 secondes. Pour moi, il s'est passé au moins 1 demi-heure. J'ai galéré à trouver ça. Bon, comme vous aurez pu voir dans ce life hack, on a besoin d'un verre, d'une paille, d'une canette. Oh putain, faut faire un trou dans la canette. Fais chier, j'ai la flemme de faire un trou. Bon déjà on va boire un peu. Life hack, ça simplifie la vie. J'allais pas dire le mot, mais t'as juste à renverser comme ça, c'est terminé. Là faut faire un trou et tout. Je le sens pas. Ma vie est géniale. Non, ça commence à couler là. Non, que ça coule là, c'est la mort. Ok. Oh là là, j'en fous partout. Ah life. Ah ouais, ça simplifie la vie. Oui, bien sûr. Ça simplifie autre chose aussi, mon cul, ouais. Ok, c'est tout simple, on prend la paille, hop, on la fout du coup dans le trou qu'on a fait. Voilà, un ballon, on va le gonfler. Cellophane, on va mettre, hop, tout simplement, le ballon dessus.
Bon, ça va être encore un peu compliqué. Tout ça pour, je rappelle juste, hein, simplement, se servir un verre, ok? Maintenant, il paraît que si on fait ça... Oh! Attendez. Ok, imaginons que là, vous allez chez vous, vous voulez vous fabriquer un petit distributeur automatique de boissons. C'est très simple. Vous prenez un verre vide, vous prenez une paille, on sait tous que chez nous, on n'a aucune paille. Ensuite, vous prenez une canette que vous allez devoir boire la moitié, donc une fois que, voilà, une fois que vous allez faire le truc, il va plus vous rester beaucoup de boissons, ok? Vous devez faire un trou dedans sans en foutre partout, ce qui va être compliqué. Ensuite, vous devez passer la paille dans le trou, vous devez prendre un truc de cellophane, vous devez gonfler un ballon, mais qui a un ballon chez soi? C'est compliqué, j'ai galéré à le trouver. Et ensuite de ça, vous appuyez sur le bouton. Et ça verse absolument très peu de boissons. Utile ? Petite merde. Non. Life hack suivant. Bouh ! Bip ! Life hack suivant. Oh non, mais j'avais oublié qu'il y avait un trou. Putain ! Ok, donc celui-ci consiste à pouvoir enlever son gilet avec du style. Est facile, ok, on va voir ça. C'est Sylvana qui m'a conseillé de faire ce challenge. Ah ok, j'ai capté. En fait, il faut vraiment, quand vous enlevez le pull, la capuche, la mettre sous vos pieds. Vous voyez, comme ça, ça tire le gilet. J'avais envie de sauter, je sais pas pourquoi. Donc on va essayer le truc du gilet pour l'enlever en mode beau gosse, en mode stylé, en mode c'est trop facile. Donc pour ça, j'ai pris un gilet large. Donc voilà, parce que je pense que pour ça, il ne faut pas un gilet serré. Mais moi, j'ai vraiment peur d'un truc. C'est que imaginons quand je fais ça, que quand j'accroche mes pieds, le gilet reste à moi. Et du coup, ça me fasse faire un salto avant. J'ai vraiment peur de ça, en plus j'ai ma table qui est là. Oh. Donc on va y aller doucement, ok? On va y aller doucement. Déjà on enlève la casquette. Bon, voilà, s'il vous plaît, la coupe de cheveux, on juge pas, j'avais ma casquette depuis tout à l'heure. On va se mettre torse nu, parce que du coup faut pas de t-shirt en dessous, faut vraiment le moins d'épaisseur possible. Bientôt il y a une vidéo qui sort où je fais 100 pompes tous les jours pendant un mois. Donc là, ça veut vraiment dire que je dois sauter, ok? Faire ça, et après faire ça avec mes pieds, ok? Et après ça fait ça. Waouh. Ok. Attention, je veux des applaudissements de partout. Ah, il est stylé ce petit gilet, en vrai, ça fait longtemps. Il fait un petit style quand même, vous trouvez pas? Ça fait pas genre yo, moi je viens des états. Ok, c'est parti. Oh, attendez, je peux m'incruster ce que je veux dessus, c'est bleu. C'est la première fois que je mets du bleu, je crois. Incruste, monteur. Monte-moi ta gueule déjà pour commencer. Ok, voilà, t'as l'air trop content en plus. On monte la main encore un petit peu. Ok, je vois que t'es content. Ok, je veux que tu m'accroches sur ce petit pull là, des pattes à la carbo. Tu vois pas que t'es habillé en bleu avec un fond bleu derrière toi? Tac. Oh, stylé. Ok, maintenant je veux que tu m'accroches des pattes à la bolognaise. Voilà, bref, on arrête, c'est bon. J'ai pas envie de me tuer par terre, donc on va faire quelques... On va passer par quelques petites étapes, ok? Donc là... Ah, je me suis tué le pif. Ça a fait ça. C'est pour ça, prenez vraiment un gilet large, sinon vous allez vous tuer. Ouah, ça fait peur. On dirait que je vais faire un salto avant, mec. Waouh, mais ça va être chaud, mais je vais me faire mal, je le sens. Ah, ça fait vraiment peur en fait. Je sais pas si c'est moi qui suis une... hein, mais... On va le faire un peu au ralenti, vous savez quoi, on va le faire en partant de là. Pour voir si je peux me faire mal ou pas. Waouh, ça fait peur. Coucou. Ok. Arrête les vidéos STP. Waouh, c'est possible en tout cas, je vois que c'est possible. Oh, il y a une meuf là-bas, elle veut te voir torse nu. Ah ouais. Ah, la meuf, elle a dit j'étais gros. C'était à moitié validé, on va réessayer quand même. Bon, je me verrais pas me déshabiller comme ça tous les jours, ok? Là maintenant, on va faire la scène, la plupart des mecs, après le confinement. Hé, hey, tu veux venir chez moi ce soir? Y'a pas mes parents? Où ça? Quelle adresse? Quelle rue? Bâtiment combien? Le code, s'il te plaît, vite. Donc franchement, ça y est. Bon, moi, pour moi, c'est validé. Donc, c'est bon. Prochain life hack, c'est parti, let's go! Life hack suivant. Ok, c'est parti pour le prochain, comme vous aurez pu voir, on a besoin d'un chargeur, ok? Donc, qui n'a jamais rêvé? Tout simplement, vous arrivez dans un petit parc un jour et vous voyez, plus de batterie sur vos téléphones. C'est pas grave, on a la solution, TikTok a trouvé cette solution. Tout simplement, quand vous êtes dans un parc, voilà, imaginons qu'il y a un pommier, ok, bon déjà un pommier c'est un peu compliqué à trouver, ou je sais pas, vous arrivez à côté, bref, on s'en fout. Il faut que vous trouviez, hop, vous trouvez une pomme, ok, tout simplement, et après, vous allez directement brancher le chargeur dedans, et le brancher à votre téléphone, et vous aurez de nouveau de la batterie. C'est incroyable, totalement. Est-ce que ça marche? On va tester. Ok, donc écoutez, sans plus tarder, on va tester. Donc là, j'ai mon téléphone avec le petit chargeur, ok? Ce qu'on va faire, on va directement mettre... Donc là, vous voyez que ça ne charge pas. Hop, on va le verrouiller pour bien vous montrer. Je vais mettre dedans dans la pomme. Est-ce que ça charge ou pas? On va tester. Attention. Ça charge?
Attendez, si on enlève. Vous m'avez entendu avec mon pied? Oui, totalement. J'avais ici deux chargeurs. Les gars, comment vous pouvez croire à ces conneries? On va quand même, c'est quoi? On va quand même tester. Je voulais pas tester parce que je me suis dit, c'est sûr, ça ne marche pas. Ok, c'est impossible, genre une pomme. J'avais déjà vu à l'ancienne, il y avait déjà eu un buzz sur ça il y a très très longtemps. Et je crois que tout le monde disait que ça marchait pas et tout. En même temps, c'est logique. Vous savez quoi? On va quand même essayer. Ok, on va jouer le jeu. On va quand même essayer. Hop, tac. Ok, ok. Donc là, je voyais, j'ai qu'un seul chargeur. Ok, je vais le poser sur la table comme ça, vous allez bien voir. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Ok, vous êtes prêts? C'est pas net, non? Mais tu vois pas, t'es complètement à l'ouest, là? Ouais, tu te vois pas, là, Baptiste? Qu'est-ce que t'as pris? Non. Donc voilà, ça ne marche pas. Non, t'as pris quelque chose? C'est un goût bizarre. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez un autre life hack numéro 2. En tout cas, si cette vidéo atteint plus de 200 likes, promis, je ferai une deuxième partie. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas TikTok, mais là, c'est voilà, on va dire que ça n'a rien à voir avec TikTok parce que c'est des petits life hacks, c'est marrant, c'est cool. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu es nouveau ou si tu es pas nouveau mais que tu regardes souvent mes vidéos. Bref, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, lâche un petit like aussi. C'est gratuit ça. Bref, la team, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Ciao! Voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances, je perds pas mon temps car j'ai besoin de mailles. Je veux beaucoup d'argent, je veux pas être sur la paille. Je voudrais voyager sur tous les continents, emmener mes parents à la plage. Grâce à mes finances.